Pour tenter de gagner des Robux, rejoins mon groupe Roblox, le lien est dans la description, ou bien tu peux le rechercher, il s'appelle Quinzel Gang, entre parenthèses YouTube. Et laisse un commentaire sous cette vidéo avec ton pseudo Roblox, le gagnant ou la gagnante sera annoncé sur le groupe. Salut petite sœur, ça va? Toi t'as pris quoi pour Noël? Bah moi j'ai pris l'iPhone 21 et une PlayStation 5. Ah ouais, ah mais toi c'est trop dommage parce que moi j'ai commandé la PS8 là, en avant-première, je veux 5 ans en avance là, ouais ça va être trop bien. J'ai aussi pris une Lamborghini et tout, genre regarde tout ce qu'il y a sur ma liste. Bah moi aussi regarde tout ce qu'il y a sur ma liste. Waouh, ah ouais. Moi, regarde. Ah ouais. Il y a au moins 3000 cadeaux. Ouais, wow. Pareil. Même plus. Incroyable. Il y en a 1 milliard de cadeaux. Ah ouais. Après, on est tellement riche. Faire ce qu'on veut, c'est trop bien. Ouais. Bon, les enfants, on a quelque chose à vous demander, votre père oui. Et moi. Oui. Alors vous savez que cette année, voilà, on a dû changer de maison parce que voilà, votre père a perdu son travail et du coup ça n'a pas été facile. Non, c'est... Donc là, y a Noël, on sait que vous êtes en train de faire votre liste de cadeaux pour Noël et voilà, on voulait pas que vous fassiez cette liste avant d'entendre ce qu'on a à vous dire, votre père et moi. Eh bien, en fait, on voudrait juste vous demander de cette année choisir un seul cadeau, vraiment un cadeau que vous voulez, parce qu'on pourra pas, on pourra pas vous en offrir plus. De toute façon, on a déjà choisi qu'un seul cadeau. Et puis même, si on n'enlevait pas, ça aurait déjà été très bien. Oui. D'accord. Bah, vous avez déjà choisi vos cadeaux? Oui. Okay, ok, bah dites-nous. Bah moi, je veux une poupée. Ok. Et toi, fiston? Moi, j'aimerais bien un livre. Un livre, peu importe lequel. Un livre? Oui, okay. Un livre. Bon, bah, on retient ça avec votre père et puis on s'en occupe. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va passer un bon Noël. Alors. En entrée, du foie gras confit, en plat principal, du homard sur son nid de sauce caviar accompagné de fricassés de noix de Saint-Jacques aux champignons de Paris. En dessert, la maison vous propose des macarons aux quatre saveurs du coin du monde ainsi qu'un fondant au chocolat. Monsieur, vous désirez quel champagne en accompagnement? Je vais vous prendre le plus cher qu'on a, tenez. D'accord. On va se régaler. Ah, Simon, tu es là, Simon. Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce que t'as pu trouver pour le repas de Noël? Eh bien, la pêche aux poubelles a été très bonne, ma foi. Hein. C'est cool. Il y a des gens qui ont laissé des apéros partout, pas dans les poubelles. Des dindes, des trucs comme ça. Et tenez, d'ailleurs, je vous en ai par vous-même. Tiens, Georges, le cadeau. Merci. Hop. Et du coup, vous allez bien vous régaler. Hein. Ah, bah, je te remercie vraiment. Merci beaucoup. T'es vraiment d'une aide précieuse là pour Noël. On avait besoin de ça pour les enfants. Donc, je te remercie. Donc, t'inquiète, entre SDF, on doit s'en prier. Au pire, tu veux pas venir manger avec nous? Non, ça ira pinter des occupations, la journée je suis occupée aujourd'hui. Ok, ça marche. Bon bah je te remercie, à bientôt. À bientôt et bon Noël à vous. Bon Noël toi aussi. Merci toi aussi. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Oh, j'ai mal au ventre tellement que j'ai faim. Les enfants, je pense qu'on va bien manger. Ah bah là. Là vous allez bien vous remplir le ventre, là regardez, rien que l'odeur. Ils ont déjà commencé les apéros. Ça va mal au ventre. Pas comme d'habitude. Non. Allez, bon appétit tout le monde. Merci. Bon appétit. Maman, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Est-ce qu'on peut ouvrir les cadeaux? Mais non, ce n'est pas encore l'heure, ma fille, voyons. Mais...
Ah oui, c'est demain qu'il faut ouvrir les cadeaux. Mais de toute façon, on sait que le Père Noël, il n'existe même pas. Oui, mais c'est la tradition, d'accord? Oh. Regardez, profitez de cette belle vue, regardez ces jolis cadeaux qu'il y a sous le sapin et ce magnifique sapin. Il y a mon iPhone 21. Maman, papa? Oui? Maman, papa? Pourquoi on n'a pas de sapin? Bah tiens, chérie, pourquoi on n'a pas de sapin? Parce qu'on n'a pas pu s'en payer un. On n'a pas eu les moyens, malheureusement, pour cette année. Voilà, c'est vrai, on n'a pas eu de sapin, mais vous inquiétez pas, les enfants. C'est pas parce qu'il n'y a pas de sapin que vous n'allez pas recevoir de cadeaux. Dans tous les cas, les cadeaux, c'est pour les enfants sages. Et comme vous avez été sages, sapin ou pas, vous en aurez un, ne vous inquiétez pas. Oui. Mais pourquoi il y a des personnes qui disent que le Père Noël n'existe pas? Oui, c'est bizarre. Oh, ils sont vilains. Eux, ils ne reçoivent pas de cadeaux pour Noël. C'est pour ça qu'ils disent ça. Parce qu'en fait, ouais. Vu qu'ils sont mauvais, ils reçoivent pas de cadeaux. Ils disent ça parce qu'ils sont jaloux des enfants qui sont sages comme vous et qui reçoivent des cadeaux. Ok. Puis en plus, le sapin, couper des sapins dans la forêt, c'est pas très écologique. Ah oui. Écologique, non. Nous, on est écologique. Ah oui, là oui, c'est vrai. Mais écologique. Exactement. Voilà. En fait, nous avons trois points forts. Nous sommes écologiques, heureux et voilà. En deux points forts. Ah, donc ça fait deux points là. On a élevé des filles bien. On a élevé des gosses bien. Voilà, on a bien. Vous êtes de bons enfants. Allez, je vais ouvrir mon cadeau. Oui, j'ai eu mon iPhone 21. C'est trop bien. Oui. Ah non, mais ouais, c'est incroyable. J'aurais vraiment pas dit qu'il m'aurait pris, même si voilà, mais waouh. J'ai pas les mots. On l'a acheté à plus de 5 millions d'euros en avant. On l'a acheté avant sa sortie. Elle a plus de 750 chevaux. Donc, elle est à toi, mon fils. Oh, je peux la conduire, papa. Bah ouais. De toute façon, dans tous les cas, on peut. On a les moyens de s'en racheter une, donc. Et attention. Purée. Ah. C'est parti. Oui, les cadeaux. Oui, les cadeaux. Mais regardez ce que le Père Noël, il vous a ramené. Il a laissé ça devant la porte. Enfin, devant la porte qu'on n'a pas. Oui. Oh, allez, tiens. Attends, je vais le déballer. Allez, déballer. Oh, c'était le livre d'Harry Potter que je voulais. Trop bien. C'est la poupée Barbie que je voulais. Youhou. Ah, vous êtes ouais. Contente de vos cadeaux? Oui, trop content. Oh. Ah, trop bien. On va aller se reposer avec votre père. On vous laisse jouer avec vos cadeaux. Maman, papa. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? On s'ennuie. On s'ennuie. C'était bien les cadeaux là, mais. Mais comment ça, vous vous ennuyez? Vous avez reçu plein de cadeaux. Ben, on a joué avec, mais. On a marre, on veut d'autres cadeaux. Oui. Et vous pouvez pas partir en vire avec la Tesla que je t'ai achetée? Non. On veut des nouveaux cadeaux. Voilà. Et vous venez à peine d'ouvrir vos cadeaux ce matin. Mais c'est déjà ennuyant. Vous vous ennuyez déjà? C'est comme les frites. Les frites, encore des frites. Bah là, c'est les cadeaux, encore les cadeaux. On en veut plus. Oh mon chéri, mais qu'est-ce qu'on va faire? On leur a déjà tout offert. Qu'est-ce qu'on va leur offrir? Je sais pas, moi. Après, on va être en galère financière. Toutes les consoles. Oh mon Dieu. On a créé des monstres chez nous. On veut la terre. On achète la terre sur le bon coin. Vas-y. Je leur commande toutes les consoles parce que... Si oui, comme ça, au moins, ils nous laissent tranquilles. Hein. Alors, ouais. Xbox Series X, Series S, la PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà...
Youhou. Ouais, trop bien. Regarde, sister, regarde, ouais. C'est le livre 3. Et regarde, c'est le sort expecto. Pas trop de boost. Ouais, c'est trop, trop puissant. Ouais. Waouh. Moi, c'est la poupée Barbie que je voulais depuis hyper longtemps, tu vois. Ah, mais elle est hyper belle. Ah, mais ouais, mais on dirait vraiment, elle est vivante, hein, comme toi. Ouais. Je t'aime, sœur. Pareil. Ouais.